Terek pendant qu'on pillait. Et nous, qui pensaient que c'était les Neko et quoi, mais en fait, c'était nous. Mais nous, on disait que ouais, machin, on est pacifiste. Alors, c'est vrai, on est pacifiste parce qu'on a tué personne. Donc, salut, c'est Lux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouMind. Alors, ça fait pas longtemps, il n'y a pas des masses d'avancées à faire. Cette vidéo est surtout à écouter, je le précise. En fait, on va réagir un petit peu à tout ce qui a été dit dans la dernière vidéo de Chachanchila, puisqu'elle a sorti une vidéo sur YouMind. Ouais, ça faisait longtemps. Du coup, et en fait, moi je suis choqué parce qu'il n'y avait plus de vidéo pour un bout de temps, et d'un coup, il y a une vidéo de 10 minutes et elle lâche une grosse info. Et voilà, je suis tout déboussolé maintenant. C'est vrai qu'on a pris un peu cher. Hein. J'avoue. En fait, elle nous a avoué. Enfin, elle nous avoue, elle avoue à tout le monde. Alors d'ailleurs, je constate juste que pas une seule fois elle a dit correctement le nom de notre équipe. c'est pas pour être méchant, mais en fait, il faudrait retenir, parce qu'en plus ça nous va bien, qu'on est les cowards. Parce qu'on n'est pas Nook et compagnie. À la limite, les lâches. Oui, à la limite, les lâches. À la limite. Parce que bon, dire Nook et compagnie, ça fait souvent temps que je suis un peu le chef, et je suis autant le chef que Alcalin est intelligent. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'ai pas la moindre autorité. Par exemple, Ted. Oui. Ah si. Hein. Ah si. Non. Voilà, j'ai aucune autorité. Je peux même pas être dresseur d'ours, voilà. Attends, si, mets un tutu et roule sur un monocycle. Non. Vous voyez, ça marche pas. J'ai aucune autorité. Ouais, déjà, ça, qu'on soit ok. Je suis peut-être la façade médiatique, si vous voulez. Encore, c'est un grand mot du groupe, mais en tout cas, je ne suis pas le chef, juste que ça soit déjà clair. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé il y a longtemps. On va revenir au moment en fait où on avait rencontré Chachanchila et Digis dans notre ancienne, pas loin de notre très vieille base, et qu'on leur avait offert des cadeaux. Enfin, vous aviez vu, j'avais fait un bonus sur le sujet. Si vous n'avez pas vu, allez jeter un œil, hein, c'est la vidéo bonus. Voilà. Et ah oui, je précise, mais non, je pense que je mettrai un message avant la vidéo pour préciser qu'il faut regarder la vidéo de Chacha avant de regarder celle-là, histoire de comprendre un minimum de quoi il retourne. Et du coup, je suis perdu. Oui, et en fait, peu après, vous savez, on nous avait volé le beacon. Mais genre, je comprenais pas parce que j'étais co et que le beacon avait disparu pendant que j'étais connecté. Et en fait, là, on a vu sa vidéo, qu'ils étaient en potion d'invisibilité, et que ces petits fourbes-là, ils me voyaient tourner en rond comme un con. Et qu'ils ont pris le truc. Alors, on le voit ouvrir un peu tous les coffres. Et là, je me dis, mais putain, je me disais bien que j'avais entendu des coffres s'ouvrir. Mais je suis con. Dieu Nooks. Oui, voilà, je suis Nooks, je suis débile. En fait, surtout, ce qui se passait, c'est que j'avais des lags. Du coup, pour moi, c'était un coffre qui était resté ouvert à cause d'un bug et qui s'est refermé. En fait, ils ont regardé, et comme ils ont vu qu'il n'y avait plus de diamants, parce que je ne suis pas stupide, on venait de les repérer avec les max. On n'allait pas laisser toutes nos ressources très importantes dans les coffres, gratos. On avait déjà surtout que là-bas, commencé, c'était très ouverte. C'est ça. On avait tout commencé à ranger, si vous voulez. Parce que, justement, on craignait une attaque. Par contre, il y a quelque chose que je trouve... Bon, bah, c'est pas dégueulasse, mais... Disons que nous, on a été gentils, vous voyez, on les a vus, on leur a offert des cadeaux, comme vous avez pu le voir, on a été généreux. Et eux, ils nous trahissent en deux, donc je n'aimerais pas dire qu'ils viennent nos pyrénées ni quoi que ce soit. Je dis juste que maintenant, on a un casus belli si jamais un jour, on a envie d'aller s'occuper d'eux. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un casus belli, ça vient de la Rome antique, parce que Rome n'avait pas le droit, au passage qu'elle a un peu d'histoire, ça fait pas de mal, n'avait pas le droit de lancer une attaque, n'avait pas le droit d'attaquer, si vous voulez, il n'avait que le droit de lancer dans les guerres défensives. Alors après, comme dirait mes profs, ils faisaient des opérations CIA, entre guillemets, pour pouvoir déclencher des guerres soi-disant défensives. En fait, par exemple, ils voulaient évidemment régler le problème d'un peuple qui allait les attaquer. Ce peuple, ils ne pouvaient pas les attaquer parce que eux ne les avaient pas attaqués. Donc ça aurait été une guerre pas juste. Au niveau des dieux et tout ça, c'est pas bien. Du coup, ils ont dit à une cité qui, elle, était menacée par eux, bon, écoutez, vous faites une deditio, donc en gros, vous nous appartenez, mais en échange, je vous défends. Puis du coup, quand les autres ont attaqué, ils ont dit, ah, bah vous attaquez Rome, pas de bol, les gars. Et voilà. Et je suis peut-être allé un peu loin. Mais... Beaucoup, trop loin. Voilà, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Voilà, je casse un petit peu d'histoire. Et du coup, oui, donc en fait, ils nous avaient pillés. Bon, c'est pas un problème. Parce que je savais que c'était pas les Neko, par contre, le beacon, parce que je leur avais demandé, j'avais demandé à plusieurs membres. Ah! Désolé, je lag. J'avais demandé à plusieurs de leurs membres, et ils avaient dit, bah non, désolé, le beacon, c'était pas nous. Donc, on n'était pas sûr à 100% que c'était eux. On n'était pas sûr à 100% que c'était Chachanchila.
Mais très honnêtement, c'était, on l'avait envisagé comme possibilité. Mais après, comme il se disait pacifiste, on s'est dit non. Mais alors, juste le détail, c'est qu'ils ont dit on est pacifiste parce qu'on a tué personne. Alors, oui et non. Parce que oui, mais non. Du côté de la définition stricte que tu trouveras sur Wikipédia, sur beaucoup de trucs, théoriquement, oui, ça, c'est juste vous n'avez pas fait d'action violente. Mais le pacifisme, dans toute sa globalité et un sens plus actuel, qui n'a été pris, parce que là, c'était surtout par rapport aux guerres mondiales qu'il y a eu le mouvement de pacifisme. Enfin bref, une fois de plus, je me perds. Parce que oui, avant de faire cette vidéo, j'ai fait des recherches. Oh putain. Moi, je suis motivé et... Ça va durer 30 minutes, la vidéo. Oui, ça va sûrement durer 30 minutes, mais c'est pas grave. Oh là là. Et oui, du coup, voilà, donc... Oui et non, c'est pacifiste, mais disons que moi, je ne vous considère plus comme pacifiste. Déjà, en plus, vous avez tué Kyr qui avait rien demandé, la pauvre. Kyr, il s'est fait défoncer au spawn quand vous êtes passé. En fait, d'ailleurs, ils ont dit dans la vidéo, hein, il cherchait au spawn parce qu'il cherchait l'œuf. Mais vous êtes pas au bon endroit. Mais genre... Alors, vous voyez, l'opposé du spawn, bah, c'est plus par là-bas. Et qui peut être aussi bête que de venir au spawn? J'avoue, même nous, pour prendre l'œuf, quoi. Particulièrement crétin, on n'a pas été assez crétin pour la mettre au spawn, quoi, l'œuf. Enfin bon, ça c'est pas grave. Et on voulait aussi revenir sur un détail, puisque Celery Rav, vous vous souvenez de lui, on va expliquer un petit peu. Bon, Celery Rav qui est devenu un abricot entre temps. Écoutez, exact. L'alchimie, on va dire c'est que c'est... Céleri, abricot... Bah, s'ils continuent comme ça, ils vont finir par transformer le plomb en or. Hein. Donc, Rentable. Rentable, c'est ça. Pour l'instant, ils transforment les céleris en abricot, mais à surveiller. Hein. Bientôt, ils transformeront le plomb en or. C'est des tests. Bon, ils passeront peut-être d'abord par la phase ananas en banane, mais... ça part beaucoup trop loin. Ça part beaucoup trop loin. J'ai l'impression d'avoir pris de la drogue, c'est dingue. C'est pas une impression. Non pas que j'en ai pris et que j'en ai jamais pris, mais... Je sens que quand je vais réécouter la vidéo, je vais faire... J'ai vraiment dit ça, bordel. C'est ça. Mais je la publierai avant que j'ai le temps de la réécouter, ça évitera le problème. Du coup, oui, Celery Rav a dit, en gros, voilà, c'est Ted qui les avait attaqués, donc c'était légitime qu'il pille. Alors, oui et non. Parce que Ted, en soi, il n'avait pas fait exprès de tuer. Oui. Si je me souviens bien, il n'avait pas fait exprès. Et il était désolé. Et en plus, on a dit, bah, écoute, comme on n'a rien contre vous... le tout, c'est que vous veniez et qu'on vous redonne du quartz. Et après, bon, ils ont tendu l'embuscade, donc bon, voilà, niveau gentillesse. Donc, je recommence pas tout de suite, hein. Disons que nous, rien ne nous oblige à proposer de donner du stuff, et vous, rien ne vous impose, bien sûr, voilà quoi. Je veux dire, je voulais juste rappeler ça et pas qu'on dise qu'on soit des méchants. D'autant plus que vous avez infiltré une écho. D'ailleurs, GG, j'avoue, ça c'était génial. Ça c'est très bien. Et vous dites, c'était juste pour savoir si vous étiez gentil. Alors, est-ce que moi je peux dire que toutes les fois où j'ai infiltré les écho, c'était aussi pour vérifier que c'est gentil? Non, tu juste comme ça, hein, parce que moi j'avoue que je suis passé pour le méchant un grand nombre de paquets de fois. Bon, je suis, oui, bah, pour le coup, oui, j'ai déjà infiltré les écho. Enfin bref, quand on fera le récapitulatif de YouMine, j'en reparlerai. J'en reparlerai de tout ça, de la Concordia et de tout ce qu'on... Parce qu'en fait, ils n'avaient pas encore compris, mais en fait, à chaque fois que quelqu'un venait nous piller, on avait déjà dépossé toutes les ressources stratégiques. Donc, il fallait peut-être tilter à un moment ou à un autre, qu'on avait certaines infos. Enfin bref, je m'égare. Je suis perdu dans mon cerveau. Donc oui, on compte pas venir vous rouler dessus. Mais disons qu'on n'est pas en tout à fait. Vous n'êtes pas non plus nos alliés. On est un peu. Avant, on était plutôt dans l'entente avec vous, mais là, on passe plus dans le neutre. Donc voilà. Bon, après, c'est pas des menaces. Hein. On va pas vous rouler dessus, on va pas vous foncer dessus pour vous piller. Nous, on est des gens. Contrairement à ce que les gens croient, on est très gentils. Et on ne viendra pas piller pour rien, quoi. Ça, c'est une certitude. Il me semble que je voulais revenir sur autre chose qui a été dit, mais là, je ne me souviens plus. Alors, Ted, est-ce que tu as quelque chose à dire pendant que mon cerveau se réactive? Il a toujours pas été activé, le mien. Eh oh! Cette vidéo va être complètement débile. Du coup. On la refait. Non, on la refait pas. Non, je ne redis pas tout ça. On va continuer comme ça. On va laisser cette vidéo. Et du coup, oui, voilà. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Moi, j'ai le cerveau qui, entre-temps, il y a un cap qui s'est débranché. Le hamster qui courait dans la roue pour alimenter, là, il s'est barré manger les graines. Ah, problématique.
c'est problématique. Bon bah je vais le remplacer par une souris, ça sera moins performant. Mais qu'est-ce que je parle encore? Là t'as Kir qui me demande si long que ça la vidéo. De quoi? Y'a Kir quand tu m'as envoyé un message qui me demande si long que ça la vidéo. Ah. On va dire qu'on vient de commencer. J'arrive plus à savoir ce que je voulais dire. Voilà. Oui, donc, bon. Il faudrait que j'arrive à me concentrer 2 minutes. Oui, pas donc, possible. Visiblement, il cherchait l'œuf, en fait. Alors faites pas gaffe à ce qui se passe en bas à droite sur mon Discord, c'est le youtubeur Pokémon Solgaleo qui affronte, qui est en train de se battre avec Dracomi, enfin bref, sur la communauté Pokémon, voilà, c'est un peu particulier. Chacha Ennemi. Ça s'écarte encore. Elle m'envoie Chacha Ennemi, alors c'est pas vraiment ça parce que j'irai pas, j'ai strictement rien contre vous, j'ai pas envie d'aller vous pif, de toute façon bon, honnêtement ça nous apporterait pas grand chose. Par contre, léger détail. Pourquoi est-ce que tout le monde, quand il pense Coward, pense Nooks? Je vous ai tant remarqué que ça, je veux dire, j'ai fait tant de conneries que ça. Enfin, oui, j'ai fait des conneries, beaucoup de conneries. Et je suis connu pour mes actions, disons, pas toujours sympathiques. Que ce soit dans cette saison ou dans une autre. Que ce soit le marché noir, les espionnages, enfin bon. Voilà. Mais écoutez, je fais ce que je peux. Ouais, donc, en fait, je voulais juste... c'était une vidéo en toute amicalité, bien sûr. Ils n'ont pas été désagréables avec nous, donc je ne serais pas désagréable. Hein. Il n'y a pas de raison que je m'énerve, c'était il y a longtemps. En plus, honnêtement, bien joué leur opération à la furtive. Moi, j'étais mort de rire quand j'ai regardé la vidéo, j'ai fait là. Mais non, c'est pas possible. Je me suis dit, oh merde, je vais passer pour un con. Puis là, je me suis rendu compte que je passe déjà pour un con, donc ça y est, ça va. Je suis plus à ça près. Et oui. Donc voilà, bilan de la vidéo, c'est pas grave. Je prends ça à la rigolade parce que c'était marrant et vous avez géré, honnêtement. Mais c'est juste que si j'étais... J'apprécie moins... Bilan de la vidéo, je suis dans la merde. Hein. Ah. Oui, oui, je t'enverrai un screen. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais juste dire que la seule chose qui aurait pu me mettre au mauvaise humeur, bon, c'est pas le cas, parce que honnêtement... on construit, quoi, on a autre chose à faire en ce moment, mais... le fait qu'on vous offre des cadeaux, bon, c'était pas de la corruption ni quoi que ce soit, et qu'après et qu'après vous veniez nous plier quelques heures après, c'est limite en fait, c'est juste ça qui m'a, la première fois m'a fait ça a un peu passé très bien, puis j'ai réfléchi, puis j'ai fait non, c'est pas grave en fait, mais c'est juste ça au début qui m'a fait un petit peu voilà, réfléchir, mais il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire quelque chose en fait. Oula là 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 là, ça pue. Mais je me fais agresser de partout. Va pas sous la montagne. Ok, je vais pas sous la montagne. Tu peux jeter un coup d'œil, mais pas plus. Non, non, mais là je me fais déjà harceler par les mobs. Non, mais regarde, vraiment. Mais je lag à mort en fait, donc les squelettes, mes flèches, elles ricochent sur lui. Là, il y a une creeper, je vais l'éliminer. Hop. Bah attends, tu sais quoi, je vais t'envoyer un screen. Vas-y, envoie le screen. Et oui, donc voilà, il n'y a pas de soucis, on n'a rien contre vous, mais vous êtes plus nos alliés. En fait, je viens de me rendre compte, enfin, je me suis rendu compte après cette vidéo, que à chaque fois qu'on était pillés, vous étiez pas loin. Quelles que soient les fois où on se pillait, j'avais quelques doutes déjà à un moment, mais je me suis dit, non, ils sont pacifiques, ouais, à moitié. Non, il n'y a pas de soucis. Bon, c'est comme Captain, hein, il a dit là, au spawn, ils font une communauté pacifique. Le Pacifique, avant... ça a été genre... comment dire? C'est genre... oui, particulier. Nous, on est pacifique, hein. Je suis pacifique. Il dit, par contre, bien sûr, si je vois que vous êtes en train de défoncer, qu'il vous tue et qu'il ne reste qu'un cœur, il est possible que je le finisse. Pour équiper le staff. Ça, c'était beau, ça. Donc, c'est du pacifisme... c'est du semi-pacifisme, quoi. Enfin, j'ai l'impression que sur ce serveur, le pacifisme n'existe pas, de toute façon. Enfin, bref, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, surtout, voilà, donc il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas quoi que ce soit. GG, en tout cas, avoir infiltré les Neko, ça GG. Avoir réussi à nous. Sous mon nez, bordel, sous mon nez. Avoir volé le beacon, le casse du siècle. Et sérieusement, avec cette petite action de quelques minutes, vous avez été plus efficace.
vous avez gagné plus que tous les membres de la Concordia réunis sur leurs assauts. Donc, Nox ! GG, oui, t'as fait une connerie ? Ah oui ! Comment dire qu'une partie du build a explosé et que la montagne aussi, qui a Master Bob en dessous ? Quoi ? Non. Va au coffre ! Si ! Oh merde, oh non. Oh non. Voilà, donc en fait, vous voyez pourquoi on gagne jamais, c'est parce que je me tape des teammates complètement cool. Ah, il y a des mobs partout. Non, mais le build a explosé. Non, mais il y a un petit trou, enfin voilà. On va dire qu'il manque 3 blocs. Mais, qu'est-ce que t'as foutu, bordel? J'ai quelqu'un petit problème. Oh non, il y avait un creeper, bon... Il y a trop de mobs. Écoute, surtout, tu rebouges tout de suite. Et j'ai pas de bloc. T'es sérieux? Attends, de la terre. C'est pas ma faute, ça tourne mal. Oula. C'est bon, j'ai le laser. Ah. En plus, je pourrais mettre ça tourne mal dans le titre. Ah. Go. Attends, rebouge. Voilà, vous voyez du fail, c'est parfait. Vite! La montagne, non? Mais ça a bien explosé en plus. Hein. C'est pas possible, bordel. Quoi, ça sert que je construise si ils s'évertuent tous à tout casser, bordel. Tu me protèges, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est ça. Tu viens de défoncer ma muraille, j'ai envie de te dire. Quoi? C'est une des merdes. Hein. Quoi? Ah! J'ai posé le. Est-ce que j'aurais pas posé le truc? Du coup, voilà. Donc, je vous dis, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Bon, pendant ce temps, on va essayer de régler le problème parce que là, Ted, il fait de la merde. Et donc on va essayer de régler ce problème d'explosion. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et je me suis dit d'ailleurs... Non mais tu t'enfermes à l'intérieur, mais t'es débile. Attends, je suis en train de perdre des cacs, quoi, putain de scale. Non mais... Non mais non, ça viendra exploser. Mais non. Mais arrête toi le squelette. Putain, j'ai quelques... Bon, tu vas me réparer ça correctement, par contre. Je vais déjà l'éclairer et prendre un arc. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa si vous vous posez quelques questions ou que vous voulez en savoir un peu plus sur le domaine de l'archéologie. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Parce que je me suis dit, j'ai remarqué récemment qu'il y avait beaucoup de clichés, beaucoup de gens à se poser des questions sur le domaine de l'archéologie. Donc si vous vous posez des questions, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous répondrai lors d'une prochaine vidéo, et s'il y a beaucoup de questions, bah, même dans une vidéo qui sera entièrement dédiée à cela. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, et évidemment, engueuler Ted pour ses conneries dans les commentaires. Et bien sûr, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Chachachachila si ce n'est pas déjà fait, même si à mon avis, vous êtes tous déjà abonnés et vous avez intérêt. En tout cas, voilà. J'aimerais transmettre un petit message tant que je suis HSA. Un message qu'on m'a... En fait, ça fait un bout de temps que je reçois des... Que j'écoute des... Enfin, que je reçois quelques... pas des critiques, mais quelques remarques sur ta chaîne. Et la remarque principale, c'est moins de montage, plus de vidéos. Moins de retard. Voilà. Honnêtement, ça, je suis pas sûr de le garder au montage. Je suis en train de me demander la question. Peu, hein. Est-ce que c'est bien approprié? Non, moi ça va, hein. J'ai pas grand chose. Juste peut-être faire sortir les vidéos à l'heure, ça serait bien. Parce que ce genre de vidéo, par exemple, j'aurais bien aimé qu'elles sortent avant. C'est tout. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Nooks.